Bonjour à tous, bienvenue, boum, pour la deuxième partie de ce Let's Play Pokémon Crystal. Et tous ensemble, on va s'amuser, on va s'éclater et défoncer des gens. Alors oui, oula, qu'est-ce qu'il a vu? Il s'excite un peu là. Hop, voilà, mais on est lancé. Bonjour à tous, bienvenue, boum, pour la deuxième partie de ce Let's Play Pokémon Crystal. Et tous ensemble, on va s'amuser, on va s'éclater et défoncer des gens. Alors oui, oula, qu'est-ce qu'il a vu? Il s'excite un peu là. Combien de Pokémon as-tu attrapé? Mais le mec se fout de ma gueule, le mec vient me voir. Ils ont osé mettre ça dans Pokémon. Combien de Pokémon as-tu attrapé? Mais j'avais pas le droit au Pokéball, connard. Donc j'en ai attrapé aucun. Donc tu vas me foutre la paix. Oh là là là, mais allez, dégage. Rien à foutre de ta vie, moi. Ok. Bon voilà, je rappelle un peu le contexte. Tout à l'heure, on a battu notre rival qui n'est autre que Bernard avec Skyheart, bien entendu, puisque on a le hérissant, c'est Sky. On a un petit peu carry face à son Kyurem, on lui a marché sur la gueule. Et donc là, on va continuer l'aventure et on est en charge d'aller. Founette, j'ai pas envie de capturer Founette, hein, par contre. On est en charge d'aller récupérer les badges, hein, comme dans tous les Pokémon. On va aller faire les arènes, on va lui montrer qu'on est le meilleur dresseur, le meilleur génie de tous les temps. Et donc ce sera nickel. Et oui, alors c'est ça, c'est ce que j'ai expliqué, hein. Pour ceux qui me connaissaient pas d'avant, de toute façon on faisait le let's play Pokémon John, qui était, j'ai dû arrêter forcé d'arrêter ce let's play alors qu'on était quand même arrivé assez loin, et c'est bien dommage. Du coup je ne peux pas le récupérer, c'était sur un ancien PC de qui était à Bordeaux. Et du coup bah là, vu qu'on a chez Xarigi, qu'on fait du gaming pur et dur, on fait pas du LOL. Merci, enfin. Je pars sur un let's play Pokémon Crystal. Et là, ça va être plutôt cool. On va changer un petit peu de version. On l'a en couleur. C'est magnifique. C'est chatoyant. Et c'est excellent. Par contre, j'aimerais bien capturer peut-être en roucoule. Alors, quelque chose qui met très cher à des Pokémon vol. Il faut un Pokémon électrique, en fait. Je sais pas si on pourrait choper un Pikachu avant ou un truc du genre. Mais ça ne passerait pas. Hein. Ça ne passerait pas. Salut Florito, salut à ceux qui nous rejoignent sur le chat juste à côté du stream, hein. Vous êtes beaucoup une fois de plus. Est-ce que c'est les vacances, les amis? C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est les vacances en ce moment ou pas? Pour les vacances de Noël, c'est pas maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en vacances ou ça se passe comment? Ah, c'est dans une semaine, d'accord. Il y a beaucoup de vent, je trouve. Ah, moi je suis en vacances, oui. Il y en a qui sont peut-être en vacances. Non, c'est vendredi. Non, c'est la semaine prochaine. Ok, bon, ça dépend. Il y en a qui sont en vacances 365 jours par an. Bah, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Ça, c'est un mec qui pèse un petit peu. Alors, on a de la Pokéball normalement. On a 5 utilisés. Allez, toi t'es à moi. Oh, c'est une femelle! Oh merde, j'avais pas vu. Le mec totalement misogyne. Ah non, pas de femelle dans mon équipe. Hein. Ah, ça non, en plus en roucoule. Un roucoule. Donc, nous sommes partis. Vous le savez que j'adore faire ça, moi je donne le... Alors, roucoule, Pokémon mine-oiseau. Il bat vite des ailes au-dessus de l'herbe pour faire sortir tous les insectes. Voulez-vous donner un surnom? Alors, on va donner un surnom. Et là, le surnom, ça va être quoi? On va voir le vote juste après sur le chat, en fait. On est sur du Xari. Moi, je serais plutôt Xari parce que... ah, mais c'est une femelle. Oui, non, vous avez raison. Alors, Chexy ou Aeterna? Chexy. Alors, Chexy, Aeterna. Chexy. Ok, on a notre réponse. Donc, mon roucoule sera une Chexy Total. Tac. X. IE. Et ce sera parfait. Voilà. Donc, apparemment, Chexy est un putain de pigeon. Alors, Chexy, on est un pigeon? Hein? On est dégueulasse! Là ça doit être bon ici. Attends, on va reprendre la tabassage. Le tabassage total. Allez, continue. Ah, Ratata. Alors Ratata, par contre ça m'intéresse. Regarde, vous avez vu l'animation? Quand il bouge son petit cul, Ratata il a... Je suis un Ratata. Putain, c'est une femelle. Alors non, je ne capture pas cette merde. Je vais simplement lui mettre la bite, hein. Bon, ça va bien la comédie là. Bon, ça va être vite. On va lui mettre deux coups de char, ça va être pillé. Bon, ça va bien. Ratatatwerk. C'est Ratatwerk. Oh putain, allez, jeu de mots de Gilly sur le chat. Vous me faites bien rigoler, les gars. Ratatwerk. Ok, 16 d'XP, c'est pas assez. Je vais peut-être aller chercher d'autres Ratata. Il y avait un Granivol tout à l'heure. Moi, ça m'intéresse bien, Granivol. Hein. J'aime bien ce Pokémon. J'aime bien ce Pokémon. Jirayaz logique. Femelle égale merde. Non, c'est pas ça, mais c'est juste que voilà. C'est que.
C'est que les Pokémon forts, et bah ça doit être des mâles. Et c'est tout. Granivol, c'est de la merde. Bon, on va peut-être se calmer là, mon petit gars, là, d'où tu dis ça, ça devient un coton flore ou je sais pas quoi, la Granivol. Ça pèse un peu. Non, je suis pas d'accord. Misogynie totale. Le mec est infâme. Granivol, c'est bof. Oui, c'est bof, mais bon, je suis macho, mais je suis pas macho. Moi, j'adore les femmes. D'accord. Ah oh, c'est pas un chat. C'est pas un shiny. C'est pas un shiny. Non, c'est pas un shiny. C'est pas cette couleur. Putain, j'ai craqué. Non, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. J'allais dire là, si on a de la chatte direct. Parce que normalement, Granivol, il est rose hein, chez moi. Attends, mais c'est sa vraie couleur. Il est violet bleu, je crois, en shiny. D'accord. D'accord. Par contre, c'est une putain de femelle. Mais elle est niveau 4. D'accord. Ok. C'est une meuf, une fois de plus. Et ça, c'est. J'aurais pas dû l'appeler Erisandre, en même temps, j'aurais pas dû l'appeler Skyheart. Hein. Parce que du coup, je me tape que des meufs. Hein. Je me tape que des meufs. Enfin, alors, n'allez pas. Hein, ma phrase. Mais je veux dire, on a que des gonzesses là qui arrivent depuis tout à l'heure. Bon, par contre, c'est un peu chiant. Elle utilise que de trempette. Moi, ça me casse un peu les couilles d'avoir un Granivol qui a que de trempette. Mais on va quand même la prendre. Trempette OP, ouais, on est d'accord. Oh là. Bon, ça va être récupéré du coup, hein, Granivol. Bon, comment on l'appelle, Granivol? Pokémon qui servira à faire trempette. Voilà, plus beau deux ans. Hein. Bon, que... Granivol, Pokémon pissenlit. Même la pluie légère des brises peut le balayer et l'envoyer vers une ville voisine. D'accord, tu seras donc Modosaur, puisque... puisque voilà. Le bâtard. Où est le bâtard? Modosaur, wesh. Modosaur. Hop. Voilà, c'est parti. Ça clash, c'est cosse. Ok, là on va repartir par ici. Bon, j'ai déjà une B. Est-ce que je peux avoir une autre B? Il n'y a rien ici, ouais, gamin. Bah alors, gamin. Alors, est-ce qu'il y a toujours le combat des deux pourritures? Non. Oh bah lui, il vient se battre maintenant. Allez, ramène-moi ton ratata, sale chien. Chien de la casse. Allez, viens te battre. J'avoue, trempette, Pokémon femelle, trempette. Ce jeu est 18+. Oui, bah alors, trempette, on va vite se calmer. Bon alors, Ratatwerk, niveau 4, c'est un mal, bien entendu, donc lui, il sait se battre. On va essayer de mettre la bite, c'est parti, une attaque charge. Attention, je suis pas là pour rigoler, hein, moi, 2, 3, oh là 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 là, les dégâts. Et c'est une mimique de la part de Ratatwerk. Attention, une autre charge qui va être reposée par Skyheart. Et ainsi, ça... Ah bah non, pas du tout. La charge, il m'a mimiqué juste avant, il va faire 6 de dégâts. Non, 5, pas assez de dégâts. Et là, tu te casses, tu dégages. Donc là... Bon, ça va bien aller la comédie, les ratata, et au bout d'un moment, ça va tomber. Donc là, c'est bon, on a récupéré ça. Alors, et j'apprends rien, niveau 10, j'apprends rien. J'apprends rien, niveau 10. Attends, tu te foutrais pas un peu de mon girl? C'est pas vrai, ça. Est-ce que t'as quoi, combat? Bah oui, bah viens de battre, c'est parti. Mimique. J'avoue, Mimique, ratata mal, NPGG, Pokémon One the Internet. C'est exactement ça. Alors lui, il a un roucoule, par contre. Un Roku niveau 2. Oh là 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 là. Oh là là. Alors là, c'est que j'ai peur. Hein. Allez, attaque charge, ça va vite plier ça aussi. Hein. Allez, dégage. Oh les dégâts. Il m'a fait deux dégâts quand même. Hein. Rigole pas. Bon, l'attaque charge, c'est l'attaque la plus boring du jeu. Hein, on est d'accord. Une fois de plus. Voilà, c'est pas top. Hein. Par contre, il a encore Ratata. Est-ce qu'on va changer de Pokémon? On va appeler. Allez, Chexy, on l'avance, putain. Niveau 3. Twerk niveau 4. Est-ce que Chexy va faire l'affaire? Ça va vite plier à la queue charge. Oh Mimique. Oh bordel. Oh acculé. Ça va être chaud. Ça va être chaud les gars. Oh putain. Oh ça va être chaud à la charge. Elle va. Oh là là. Elle va nous défoncer je sens. Oh là, les dégâts nuls à chier. Perso. Attention Chexy, one shot peut-être. Et ceci étant quasi one shot, on va devoir changer de Pokémon tout de suite. Hop. La Skyheart qui arrive avec sa B pour protéger Chexy. Sky qui vient protéger Chexy. Non, laisse Chexy tranquille. Il est également présent l'ami. Attention, charge par contre, ça va pas rigoler. Ça va être plié hein, cette affaire. C'est nickel, allez dégage. Hop. Et voilà, 24 points d'XP pour Chexy aussi. Et le marin gamin. Alors gamin,
Il a perdu. Allez, dégage. Allez, c'est vers où, là? Astuce. On ne vole pas les Pokémon des autres. Les Pokéballs sont faites pour attraper les Pokémon non sauvages. Ok. Je suis content de l'apprendre. Allez, je te parle. Ah, t'es pas un dresseur. Ok, ok. Bah alors, pourquoi tu te mets là? L'autre, elle me met la pression, quoi. Je suis pas un dresseur et elle reste là. Ah, Granivol. Bon, c'est pas un shiny, on était d'accord. Oh, niveau 4, femelle. On va devoir la tabasser un petit peu. Ah, mais je suis con, attendez, là je suis con, je vais juste mettre. Ouf, des dégâts. Ah, ouais, la trompette. Donc, on va prendre Chexy, quoi. Chexy. Mais rien ne se passe. Bah, oui, bah, rien ne se passe en même temps. Trompette, pourquoi ça a été inventé au final? Ah, on peut me le dire, s'il vous plaît. Enfin, c'est. Qu'est donc cette connerie de vouloir utiliser trompette? Je ne sais pas à quoi sert cette attaque. C'est. Bah, ouais, pour Magikarp, je sais bien, mais pourquoi c'est en gros troll des devs, hein. Ah, il charge, attention. Oh les dégâts, oh putain, on en a pour un quart d'heure là. Bon, c'est que il va peut-être falloir se sortir les doigts du huc, hein, parce que là, attaque charge, falloir, ça va bien la comédie là, hein, les non dégâts, ça va bien 5 minutes. Hein. Maintenant, tu vas peut-être te sortir les doigts. Hein. Allez, charge. Voilà, enfin, oh putain, un coup critique, alors là, oh festival. Hein. Festival, 21 points d'XP, niveau 4, Chexy, magnifique. Et elle apprend aucune attaque, donc elle reste avec une attaque charge de bouseuse. Oh putain, un autre chien maigre de la casa de su madre. Attention. Oh, c'est Tom Sawyer. Alors les amis, avant qu'on commence ce combat, j'aimerais une minute de silence pour les parents de ce jeune bonhomme qui s'appelle donc Jean-Raoul. Jean-Raoul Scout va se battre. Alors je pense qu'il veut se battre contre ses parents, hein. Clairement il a quitté sa famille. Je suis désolé, on n'appelle pas un enfant Jean-Raoul, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est interdit, ça n'existe pas, hein. Jean-Raoul, qui appelle son gosse Jean-Raoul, très honnêtement? Personne. Enfin, what the fuck. Mais cela échoue, donc on va prendre un autre Pokémon tel que Chexy, on va l'envoyer au combat. Jean-Raoul. Jean-Bernard. Jean-Bernard, oui. Jean-Nasus, oui. Mais Jean-Raoul, non. Et cela échoue, alors en plus il a des Pokémon qui échouent à tout vent. Hein. Allez, moi je suis niveau 4, je pèse un peu avec Chexy. Hein. Attention, sécrétion. Et cela échoue 3 fois d'affilée. Allez, Jean-Raoul, tu es condamné jusqu'au bout. Attention, elle va. Oh putain, 16 points d'XP, ça te fait gagner autant. Chenipan. On change pas, on est des bonhommes, on change pas. Allez, Jean-Raoul, envoie Chenipan, mec. Allez, Chexy, tu carry. Allez, bim, attaque charge. Coup critique. Non, pas de coup critique. Oh putain, c'est une attaque charge. Oh, c'est deux. On peut y arriver. Allez, Chexy, l'attaque charge qui va passer encore une fois. Wow, le coup critique. Et deux dégâts, on tient. L'attaque charge qui ne doit pas rater. Et Chalipan qui va tomber sous les coups de Chexy, c'est incroyable. Un sacré départ en flèche de la part de Chexy qui passe même niveau 5 et qui se permet d'apprendre jet de sable. Alors, Jean-Raoul, tu fais quoi maintenant? Hein, Jean-Raoul? Eh ben, c'est foutu. Dégage de là. Jean-Raoul est mort. C'est parfait. Route 31. Alors, il faudrait coup pour pouvoir passer. Ah, là, c'est le bordel. Hein. Un de nos Pokémon, ils ont pris la bite à sec depuis tout à l'heure. Ah, un autre coup, là. J'ai envie de dire, ce Roucoule là ne m'intéresse pas pour le fight, donc on va fuir. Tu m'intéresses pas, je suis désolé, tu ne m'intéresses absolument pas. Oh con. Entre noir, si un Pokémon pouvait l'éclairer, on pourrait l'explorer. Donc ça veut dire concrètement qu'il faut flash, hein, tu peux me le dire sans tergiverser, mon petit gars. Allez, on a la potion, poche objet, on repart de plus belle. Oh putain, oula, et Ronflex. Il s'est perdu là, Ronflex. C'est un arbre à fruits. Hey, c'est une baie à mer. Yeah! B à mer! Donc lui, il va nous parler des B, je crois. On va lui parler quand même. Alors, on flex. Ah oui, c'est un gros bolos par contre. D'accord, alors clairement, on s'en carre. Mais d'une puissance de ouf. Attention! J'ai attrapé plein de Pokémon, on va faire en combat. Alors lui, s'il a plein de Pokémon, ça va être plein de Pokémon niveau 2. Je le sens à 15 km. Oh, ça c'est qui? C'est Jean quoi? C'est Maxime Scout. Maxime Scout, il envoie à Chenipan. Allez, niveau 2, wesh. Niveau 2, Chenipan, wesh. C'est parti. On avance qu'un camp. Charge. On s'est one shot, là.
Oh, c'est pas le one shot. Est-ce qu'on envoie... Putain, mais si j'envoie Chexy, elle va crever. On va changer de Pokémon, on va utiliser une potion. On va carry Chexy un peu. Oui, je veux changer la Pokémon Chexy. C'est pas. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que là, faut que j'utilise la potion à tout prix. Voilà. Ah bah la 5 PV, en fait, je suis pas obligé. Attaque charge, son quart. J'avais pas vu, elle est noire. C'est bon, la 5 PV, tu carry. Oh là là, les dégâts. Après, on va pouvoir utiliser la potion. Oh putain. Oh le coup critique. Oh le coup critique, non. Oh les dégâts. Oh les dégâts qui m'a mis. Coup critique à 1 PV. Oh mon dieu. Un sacré départ en flèche. C'est un peu dur. Aspico. Non, dégage. Le mec a mis un coup critique à... Oh putain, il est énorme, Aspico. Bon, on va utiliser quand même la potion. Parce que par contre, Aspico, moi ça me fait rigoler 0. Hein. Clairement, ça fait beaucoup plus de dégâts. Donc on va faire attention. Il met un Darvenin. Clairement, Darvenin, 2 PV. Il va. Oh putain, il m'a pas poison. Moi, c'est ça que j'ai peur, hein, c'est le poison. Allez, bim, prends ça dans ta gueule. Tu lances quoi? Darvenin encore? Putain, le mec n'en peut plus de son Darvenin. Et voilà! J'en étais sûr! Mais c'est dégueulasse, ça, Darvenin. Juste infâme pour ça, quoi. Le truc te poison, mais trop facilement. Oh là là. Putain, tu souffres du poison, Chexy. Chexy est malade. Chexy est malade. Oh putain, c'est un coup critique aussi, quoi. Allez, dégage. Allez hop, c'est plié ça. Ça va bien la comédie ça. Allez dégage. Allez niveau 6. Oh putain, toute XP qu'elle a gagné. Non on change pas. Non on change pas et on va le défoncer. Aspico. Non Aspico c'est infâme hein. Moi j'aime pas du tout au début, c'est trop chiant parce que ça poisonne trop facilement. Il y a trop de chances de poison sur Darvenin en fait. Ce qui est horrible. Oh elle souffre du poison. Attaque charge. Oh là la charge, attention. Oh les dégâts. Les dégâts monstrueux. Il m'a mis deux quand même. Sans être en coup critique hein. Alors faut qu'on m'explique comment un chenipan qui me fait un coup critique qui est niveau 2 comme celui-là me fait 1 de dégâts en coup critique alors que là il me fait une attaque charge, il me fait pas un coup critique et il me fait 2. Faut juste est-ce qu'on m'explique, est-ce que il y a du remboursement là-dessus ou ça se passe quoi ça se passe comment? Bon Chexy on va la sacrifier hein. Chexy tu meurs. La pression. Oh j'en étais sûr. J'en étais sûr. Bon c'est pas grave. Ça c'est pour Elisandre. Allez, un petit chenipan des familles. Niveau 4, nice. On va faire duel combat là. On va prendre un peu d'XP avec le super Skyrter. Bon, il va être niveau 11. Je sais pas si c'est niveau 11 Flamèche au final. Oh là là, sécrétion. Le mec il me sécrète pour aller plus vite que moi, mais malheureusement, enfin, j'ai Hérissandre. Donc tu vas vite te calmer. Hein. Juste, je brûle ta sécrétion. Je te chie dessus. Oh là là, sécrétion. On passe pas. Allez, charge. Adieu. Voilà. Oh putain, je gagne tellement pas d'XP maintenant. Ah, Albert, il est le champion de l'arène de Mauville. Allez, on va aller se taper Albert, les potes. Alors, no game. No homo, mais on va se taper Albert. Oh, Chexy est KO. C'est bien fait pour ta gueule. Allez, arrêtez de faire ta banine. Par contre, je suis en train de réfléchir, j'ai Granivol pour l'arène. Donc c'est Pokémon Vol, ça le défonce. Et en plus de ça, j'ai Trempette. voilà, hein, c'est moyen. C'est plutôt moyen. Ok. Donc là, on va se taper tous les petits gars et ça va être nickel. C'est niveau 12. Ok. Merci de l'information, apparemment, c'est niveau 12. Pour le Flamèche. Alors l'ornithorynque là, l'ornithologue, c'est Ben. L'ornithologue, piaf avec. Quel niveau? 6, je suppose. What? Ah ouais, bon alors on va aller s'entraîner un petit peu. Parce que niveau 9 pour un dresseur de merde. Non merci. Allez, c'est calme. Oh là là, l'enculé il fait des dégâts en plus. Hein. Ouais. On va se calmer. Ouais bah attends, on va l'XP, on va peut-être vite se calmer la moule là parce que. Là ça a bien la comédie, le mec est niveau 9, on va vite se calmer hein. Une pique pique, alors là on fait la B. Hop, dans ta gueule. A plus, allez je te tue là. Ah tu meurs là. Allez dégage. A plus. Oh, 111 points d'XP, là par contre je dis oui. Là je dis oui. Bon, c'est niveau 12 Flamèche, fais chier.
Moi, j'allais faire la tour chez Tiflor, ouais. Faut que j'entraîne Roucou. Je vais juste faire les deux premiers dresseurs. Hop, et on va aller faire la tour chez Tiflor. Oui, alors ça, j'oublierai pas. La tour chez Tiflor, j'aime bien d'ailleurs. C'est très sympa. Chetty, chetty, flower, chetty, flower, chetty, 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 flower, chetty, flower, chetty, flower. Ah, mais ça bouche à pipe. Oh, chetty, chetty, flower, chetty, flower. Très bon Pokémon. En Roucou, là. Allez, niveau 6, s'il te plaît. 7, putain, enculé. J'aurais dû donner une B, je suis con. J'aurais dû donner une autre B. Alors, Albert, il a quoi? Il a Roucoups niveau 10. Roucoups en plus, putain. Le mec, comment il peut avoir Roucoups niveau 10? Alors, faut complètement m'expliquer. Alors que Roucoups, clairement, c'est pas niveau 10. Hein. Mais merci, quoi. On va le défoncer. Hein. Il a que l'attaque charge et puis la merde. En plus, ce qu'il y a, c'est que j'ai Tiexi au final. Elle va me servir de bouclier humain. Tiexi. C'est-à-dire qu'on va la mettre devant. Il a combien de Pokémon, Albert, les gars? Ah là, c'est la version cristal. C'est même pas la version or argent, c'est la version cristal. Faut me dire combien il a de Pokémon, Albert. Il a Roucoule 7 et Roucoule 10. D'accord, donc pour Roucoule, 3 Pokémon Albert ou 2? Non, c'est 2 normalement. Hein. Il me semble que le premier, il n'y en a pas 3. Hein. Donc s'il a ça, on va le Roucoule, on va le tuer avec Hérissant. Ensuite, dès qu'il y a le Roucoule, on prend Shexy. On fait full jet de sable et on envoie ensuite notre bon vieux Skyheart pour carry. Oh là 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 là! A critical hit! Là t'es mort juste après, voilà, dégage. Et c'est terminé. Donc là on va même passer niveau 12 je pense. Oh, oh là là. Oh, le remboursement total du jeu. Oh putain. Alors là par contre ça c'est la grosse arnaque. Alors là c'est la grosse arnaque totale du siècle. Jean Bobinus et j'en passe. Eh mais les mecs, on peut faire Albert même là. Moi je pense qu'on peut faire Albert. Hein. Je passe niveau 12, on fait Albert. Et c'est bon. Hein. Ah, je pense qu'on peut faire. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire Albert? Ah, moi je pense qu'on peut le faire. Oh non, je pense qu'on peut le faire. Je suis sérieux. Moi je pense. Est-ce que. Alors, est-ce que vous croyez en moi? Est-ce qu'on se fait Albert en mode bonhomme ou pas? Alors, mais easy. Roucoule va être en retard. Non, mais Roucoule va être zéro en retard. Est-ce que je vais crever et me faire genre. Oh putain. Allez, mec, vous me chauffez là. Vous me chauffez. Donc je vais aller faire Albert. On va voir si Albert, la vérité, Albert, toi-même tout sais, je vais te défoncer. Ok. Donc là, charge, on va mettre deux charges. Puisqu'on on va back. Et on va mettre Chexy. Ouais, bon, alors, j'ai de sable, tu vas vite te calmer la bite. Hein. Ah, tu vas pas louper. Mais. Voilà, c'est nice. Et là, on met Chexy. Et c'est parfait. Voilà, jet de sable. Donc c'est très bien, tu me mets jet de sable, mais comme je change de Pokémon, eh ben t'es déçu. Hein, tu viens de faire ça pour rien, n'est-ce pas? Donc là on a Tiexi qui va prendre en plus un peu de niveau. Ah ouais, c'est ça, mais là il a Flamèche et Hérissandre normalement. Oh là là, les dégâts de l'attaque sauvage. Voilà, c'est fini pour toi, dégage. Ok, parfait. Donc du coup critique. Sky qui prend le niveau 12 et qui prend Flamèche. Allez mec. Allez, niveau 7 sur Tiexi, mec. Alors moi je pense qu'on le fait, moi je pense qu'on le fait easy shit. Enfin non, pas easy shit, mais je pense qu'on le fait bien. C'est parti. Alors là, ma strat est très simple. Donc vous les gens qui ne croient pas en moi, je vais vous montrer, moi je suis un bonhomme. Moi je suis un bonhomme, je mets ça sur Sky. Il tient sa B. Hop, attendez, regardons les B justement, à quoi elles servent les autres. B antidote. La confusion, j'en ai pas besoin. Ok, c'est bon. On va soigner tout ça et on va aller chercher le fight sur Albert. Donc moi je vous explique ma strat. Il y a Hérissandre, il arrive en premier comme ça, sans crier gare. Il se tape le Roucoule il défonce, il flamèche, il flamèche, il flamèche. S'il prend des dégâts, il a une B. Toi-même tu sais ma gueule, ça sert à rien. Au moment où Albert change de Pokémon, on envoie Roucoule. Et elle devrait pas le tuer, et normalement il ne devrait pas me tuer en deux coups, d'après ma théorie, à part s'il fait des critiques. Donc il prendrait deux jets de sable. Et là, même si Chexy crève, on revient, il a trop de précision baissée. Et ce sera complètement parfait. Alors, on est dans la version cristal, je rappelle. Donc version cristal, qui dit version cristal dit Pokémon légendaire. Entei, je sais jamais. Sinon ça me fait toujours rigoler. Suicune, Riku, Raikou. Et ça devrait être parfait. Alors on est bon. Allez Albert. Entei, c'est du Entei les gars. Entei, je sais jamais. Et Lugia, oh et tout le bordel hein. Oh et Lugia, exactement. Entei, je dis Entei, je sais pas pourquoi. J'ai trop l'habitude. Ouais les gamins. Alors Albert, c'est parti, Albert champion va se battre. Et il envoie Roucoule. Ok Roucoule, tu peux te la jouer comme ça, t'es niveau 7. Ma gueule. Ok, oh, et Celebi, exactement, il y a Celebi. Mais là, regardez, Flamèche dans ta gueule. Boum, la Flamèche qui passe
Bim, l'attaque spéciale qui fait des ravages, c'est le Midlife. Il va mettre quoi? Il va mettre coup de boue. Oui, c'est super efficace normalement, coup de boue. Et ça baisse ma précision. Mais là, tu prends Flamèche. Et au revoir. Adieu, Roucoule, la terre plus. Ciao, ciao, bisous, bisous. A très bientôt. Donc là, on va sacrifier Chexy, je le rappelle. Ça fait partie de la stratégie. Oui. Donc en fait, on va la sacrifier. On va pas vraiment la sacrifier parce qu'elle devrait pas mourir normalement. Le mec a un Roucoule quand même niveau 10, hein, faut pas déconner. À niveau 9. Pff. Oh, t'es dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors attendez, non, normalement il est plus rapide, il va mettre la bite. Voilà, tornade. Et ça me tue pas. J'ai de quoi tanker. 13 hein, quand même. Normalement, il me tue pas. D'après la théorie de Pythagore là, il ne me tue pas et je survis. Voilà, j'ai survie à 1 PV normalement. Oh, 2. Oh putain. Ah, c'est magnifique. Donc là, la précision a diminué. Regardez ma strat, hein. Je vous l'avais dit, ma strat, elle est pas OP ou quoi? Est-ce que ma strat est OP? Allez hop, on change. On va récupérer l'XP. Et là, c'est pour ta gueule, mon petit gars. Oh là là, il met une tornade. Vous savez quoi? Je vais même le faire chier. Parce que moi aussi, hein, j'ai un brouillard, hein, je rappelle. Donc tiens, regarde, brouillard dans ta gueule. Oh là, t'es foutu, quoi. Allez. Oui, normalement, il évolue niveau 18, c'est ça. Donc c'est complètement ridicule. Attends. Et puis, alors la tornade, il peut pas l'échouer, la tornade. Le mec me met un coup critique. Il peut pas échouer tornade, non, c'est pas possible. Parce que là, je vais baisser quand même un peu la précision, faut pas déconner. Mais... ça me rend un peu fou, quoi. Enfin, dites-moi sur le chat si tornade peut échouer ou quoi. Mais ça me semble un peu suspect le fait que le mec n'échoue jamais. Ah, voilà, enfin, ça va, quoi. Ça va bien, hein, ça va bien 5 minutes, quoi. Si, si, ça peut échouer, quoi. Voilà, c'est parfait. Ah, bah oui, ça échoue. Et voilà, ma stratégie est en place. Et voilà, Flamèche encore une fois. Au revoir à Roucoups. Adieu. Et voilà, Sky gagne 108 points d'XP, check 608. Elle gagne également le niveau 8, c'est parfait. Et adieu, adieu. Alors, bah brouillard c'est useless, oui, mais bon, enfin au début t'es obligé de l'avoir, puisqu'il l'apprend et t'as pas de compétences enlevées. Mais là brouillard, ça l'a rendu un peu probable. Et ouais, je reçois le badge Zephyr. Alors, les gars, ouais, fais pas le beurre, tu vas te faire défoncer. J'ai envie de te calmer. Alors, c'était 31, c'est quoi? Tornade. C'est quoi? Coup de boue. Ah, nice, coup de boue. Coup de boue, les gars. Nice. Hop, 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 hop. Et ça, c'est parfait. Donc, on va aller soigner les Pokémon maintenant. Waouh! Prof Orme. Qu'est-ce qu'il veut? Mon assistant est au centre Pokémon de Mauville. Va lui parler! Ok, le mec te donne des ordres, quoi. Genre, mais quel gros chien. Oh, il est au centre Pokémon, son assistant. Donc, on va aller le voir. On va aller lui parler, il va nous donner des nouvelles de l'œuf, justement. D'abord, on va soigner, parce que bon, faut pas déconner, Binoclar. Hein. Ça va aller la comédie, là, hein, bien 5 minutes, hein, parce que... Et voilà. Ah, attendez, le chat, j'ai l'impression que le chat est vraiment en retard, hein, sur le stream, par contre, de ouf. Hein. C'est un truc de malade, vous me dites GG pour le combat, ça fait 3 quarts d'heure qu'on l'a fini, quand même, hein, donc il va falloir faire attention. Alors, le prof Orme m'a demandé de te trouver, il a encore un service à te demander. Peux-tu prendre l'œuf Pokémon? Oui, je vais le prendre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf Pokémon, déjà? C'est pas Togepi? Non, c'est pas Togepi. Je sais plus ce qu'il y a. Si, c'est Togepi, on est d'accord, on est d'accord. Si, si, c'est Togepi. Ok. Nice. Nice. Bah alors, attendez, est-ce que Togepi, il a une évolution dans, en S2 ou pas? En saison 2, enfin, en deuxième génération. Il a l'évolution ou pas? Oui, c'est Togetic, on est d'accord. Mais il a l'évolution. Ouais, il l'a déjà en G2. D'accord, c'est cool. C'est cool parce que moi j'aime bien Togetic. C'est un perso un peu stylé. Donc j'aime beaucoup et je trouve ça parfait. Alors attendez, on va aller donc récupérer un petit peu de stuff. Et je pense que on va acheter des Pokéballs parce que j'en ai. Oui, 11. Alors on va peut-être se calmer la bite. Hop, voilà, on a des potions encore de sortie. Je vais en prendre 2. Voilà. Antidote, j'en ai déjà un, antipara on s'en carre, on a ce qu'il faut, vitesse plus, lettre fleur, on s'en fout, c'est pourquoi on prendrait des lettres fleurs, c'est ça? C'est pas là qu'il y a la limonade? Ah non, c'est pas là, c'est plus tard. Hop, et on repart. Ok, eh ben c'est bon les amis, là je pense qu'on est bien. Alors Albert, on l'a complètement
On l'a défoncé, hein, on lui a marché dessus, c'était juste de ouf. On a coup de boue, alors coup de boue, je sais pas si on le garde pour plus tard ou pas. Est-ce qu'on se le garde pour plus tard, coup de boue, est-ce qu'on la prend pour le recoups? C'est coup de boue, c'est de type sol, donc ça fait masse dégâts. Enfin, c'est masse dégâts, ça fait quand même dégâts, ça baisse aussi la précision. C'est ça qui est intéressant, je trouve, comme truc. Je préfère le garder pour l'instant, non? Ouais, je l'ai outplay, c'est sûr. Alors, il nous reste la tour chez Tiflor à faire, mais comme on vient de finir là, c'est bientôt l'heure, malheureusement, déjà, c'est vrai que ça passe vite. Et puis, on vient de faire le dresseur aussi. On va clôturer cette VOD là-dessus, les amis. Et puis, pour la prochaine, la troisième partie, on partira à la tour chez Tiflor. On va se laisser en musique ici. Merci d'avoir suivi cette VOD, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. On a réussi à battre Albert. On se retrouvera pour la troisième partie de Pokémon version Crystal, le Let's Play sur la chaîne XRJJ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bientôt 20 000 abonnés, comme je l'ai dit tout à l'heure. On y arrive petit à petit. Est-ce qu'on va y arriver avant Noël? Je ne sais pas. C'est à vous de décider. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, c'est gratuit. Et vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou encore Twitter, qui sont dans la description de cette vidéo. Laissez un maximum de pouces verts. Dites-moi en commentaire si vous avez des Pokémon que vous voulez voir capturer, qu'on puisse essayer d'évoluer là-dessus, parce que je sais qu'il y a plein de fans de Pokémon quand même. Et puis on se retrouve pour la troisième partie très bientôt. Bisous tout le monde, au revoir.